Ouais, ça peut le faire comme ça. Si je décaisse progressivement et que je ramène, ça va. Parce qu'en plus, voilà, enfin, ce qui est délicat dans ma config, c'est que j'ai un peu du mal à positionner le dumper par rapport à la pelleteuse. Là, par exemple, l'arbre, il commence à me gêner, donc forcément, je dois reculer pour mettre à côté. Ensuite, je vais devoir certainement le mettre là et charger dedans, mais ça m'impliquera quand même des manœuvres avec la pelle. Donc, je vais voir comment j'optimise ça le mieux possible. Là, je pense que je vais faire encore un bout comme ça, parce que c'est assez facile de tout retirer en arrière. Puis après, on élaborera un autre plan. Bon, ça a super bien tourné hier. Je vais remettre ça quelques heures. J'ai vérifié les filtres à air, parce qu'on voit bien que l'environnement est très poussiéreux, mais ça va, ils sont nickel, les deux. Et oh, truc abusé hier, juste avant que je termine. J'étais en train de reculer avec le godet un peu planté, et je reculais en essayant de ramener de la terre. Et ça galérait un peu, ça bloquait. Donc je remonte le godet, ça bloque encore un peu. Puis je regarde après, pourquoi, si c'était pas la chenille qui coinçait. Qu'est-ce que je vois pas? Mon portable était comme ça. Et c'est pas le Blackview solide et tout. Il était là, comme ça, contre. Et la chenille, elle patinait. Elle était en train de remplir de la terre entre la coque et le portable. Et ça va, il fonctionne. Putain, abusé. Franchement, j'étais à, je sais pas moi, un demi-centimètre de le broyer complètement. Et heureusement qu'elle a pas reculé du coup. Ça aussi, c'est parce que je suis en pyjama. Ça tient pas bien dans cette poche. Enfin, pyjama, clou, je sais pas trop en quoi je suis habillé, mais j'ai pris ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait pour être plein de poussière, quoi. Ne pas avoir trop chaud. Bon, petit redémarrage. Faire gaffe à pas paumer le portable, enfin, j'en ai gardé sur la cuisse. On va redémarrer les engins et faire le graissage, chose que je déteste. Même si j'ai une nouvelle pompe à graisse, mais par contre, il me faut de l'air comprimé. Là, j'ai pas d'air comprimé ici, c'est une pompe pneumatique. Donc un jour je vous la montrerai. C'est un ami qui me l'a envoyé. Encore merci. Hein. Et j'ai hâte de l'utiliser. Mais sinon je déteste avoir de la graisse de partout. C'est un truc qui me fait chier. Quoi. Le graissage c'est la pire partie. Après le reste c'est assez amusant. Bon. T'as pas besoin de starter. Il n'y a pas besoin de starter hein, quand même avec cette chaleur, non? Ah non, mais j'ai coupé l'arrivée de carburant. Ah bah du coup, je vais te le mettre. Ouais, c'est bon, je pense qu'il serait parti, ça. Bon, ça fait à peu près 2 semaines. Ah, j'ai plus de voix aujourd'hui. Ça va faire 2 semaines que j'ai pas repris. Cette nuit, il a plu. Ça fait du bien aussi, mais pas suffisamment. Mais au moins, ça devrait être un petit peu moins poussiéreux et plus facile à entamer la terre là-bas. Et ouais, vous voyez aussi 2 semaines entre quelques heures de boulot. C'était pas un caprice de dire je peux pas louer. C'est vraiment que si je louais. Non mais c'est mort quoi, il faut que j'ai les machines sur place pour quand j'ai du temps que je puisse travailler. Ça c'était par rapport à la pelleteuse surtout. C'est inconcevable autrement pour moi puisque j'ai que des petits créneaux pour avancer et je sais pas quand je peux reprendre. Donc là je les ai graissés les deux, je vais les redémarrer et puis je vais essayer de faire comme je vous disais, mettre le dumper en bas, ameublir tout ça, essayer de le décaler, après mettre le godet de 60. J'ai racheté des goupilles pour ceux qui avaient vu mon largage de godet quand je faisais le petit parking, là, la zone de stationnement pour les machines, qu'une goupille s'était accrochée, je pense, dans les branches, et j'avais pas vu où elle est partie. Donc là, j'en ai racheté plusieurs de plein de tailles, je vais pouvoir la remettre sur le godet. Et donc mettre le godet de 60 et charger plus rapidement, du coup, je vais faire des chargements quand même plus rapides, de 40 à 60
quand même un bon volume en plus, donc je vais évacuer plus vite et je devrais gagner pas mal de temps. On va voir ce que ça donne. Je vous mets tout ça en accéléré comme d'hab, avec des musiques qui sont bien entendu pas au goût de tout le monde, mais moi si elles me conviennent, et ben, c'est déjà ça on va dire, on peut pas plaire à tout le monde. Je comptais pas sur moi pour mettre des trucs qu'on entend aujourd'hui à la radio ou je ne sais quoi, enfin je suis pas du tout à jour. J'aime un peu tout, j'aime le rock, le hard rock, un peu de métal, surtout l'électro, et puis si l'électro peut mêler ces différents styles, impeccable. Toi, je te démarre en premier. Je suis un peu penché. Normalement, ça devrait pouvoir se charger comme ça, sans basculement. Bon, on va faire le test. Sinon, je descendrai avec la machine. Mec, il en chie. Et j'essaierai de gratter un peu là, pour mettre vraiment bien plat. Non, en fait, en dessous, c'est vraiment encore bien sec. Bon, là j'ai quand même un volume qui se construit assez rapidement et je suis trop loin pour l'évacuer, donc faut que je trouve une combine. Je sais pas ce qui serait le mieux, je sais pas exactement comment m'y prendre. Ah si, peut-être si j'ai... ah mais oui,
je vais la reculer. Je vais venir ici avec la machine et je vais prendre là et la mettre dedans. Je vais pas le faire par en haut. Je vais peut-être faire comme ça, ça va m'en faire dégueuler plein, mais bon, c'est pas grave, ça sera aussi propre que je voudrais sur le moment, mais voilà. En tout cas, là, je suis en train de rejoindre petit à petit le niveau que je recherche, donc c'est plutôt pas mal. Et dès que j'aurai agrandi un peu là, ça sera plus simple pour manœuvrer. Et ensuite, par contre, ici, après, quand je mettrai la brouette à chenille ici, là, ça va être facile de transférer. À la limite, je pourrais la coller contre, pousser avec la lame. Peut-être même. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais à voir. Donc là, ouais, parce que j'ai quand même un petit gap là à compléter. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Ouais, je vais faire ça.
Eh, ça marche bien comme ça. Allez, on va vider celui-là, quand même relativement bien chargé. Après, la terre est sèche, donc normalement, elle est quand même plus légère que quand elle est humide. Mais bon, on va quand même faire gaffe à ce que ça bascule pas. Enfin, si ça bascule, je pourrais rien faire, mais voilà, on va y aller tranquille.
Allez, je repars avec le plein. C'est sûr que là, pour creuser, ça va. C'est pas pareil qu'avec les dents. Enfin, avec le godet de 40 avec les dents. C'est plus, ça gratte. Bon, on peut quand même entamer, mais ça force plus pour pas grand-chose.